Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir, et je suis toujours dans le Nether. Comme vous avez pu voir hier, un petit souci avec la rose du Wither. J'ai vérifié, normalement ça se plante aussi, on va peut-être vérifier d'ailleurs, j'avais pas envie de mettre de la netherrack, je trouve ça moche, voilà, je voulais vérifier que ça se posait aussi là. Et ben ça se pose aussi là, donc voilà, on va mettre sur de la terre des âmes, ça s'appelle. Je vais pas prendre le sable des âmes parce que ça ralentit, et donc j'imagine que ça va ralentir aussi les petits mobs qui pourraient spawner dans l'usine. Donc on va se faire, hop, on vérifie, on va les mettre là, comme ça on va voir. Normalement il m'en faut aussi 56, mais on va reprendre un stack, comme ça ce sera bien plus simple. Voilà, j'en ai largement un stack, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, voilà. Tic tac boom. Allez, on est reparti, on va aller poser. Oula, je suis sur du sable des âmes, donc du coup je speed. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour, vous êtes un petit peu trop nombreux pour que je m'occupe de vos fesses. Et que je vous donne surtout... Ah, ils sont nombreux. Que je vous donne des élytras. En plus, vous n'avez pas l'air décidé à les ramasser, donc voilà. Il y a une belle petite tribu de haut roux là. Ça rigole plus dans le secteur. Hop, 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 c'est qui lui, hein, qui me fonce dessus? C'est le bébé, c'est bon. Non, c'est pas le bébé. Si, c'est le bébé. Non, c'est le bébé. Oh, il avait une grosse tête. Il avait une grosse tête, il m'a fait peur. Eh, viens là. Ouais, non, mais tu veux jouer? Bah, viens. Viens, on va jouer. Viens, viens, viens. Viens. Allez, viens jouer. Tu veux jouer, là? Tu veux faire comme les grands? Eh bah, viens. Je vais te montrer, moi, comment ils font, les grands. Hop, regarde, un petit coup d'épée. Et encore un, voilà, ça t'apprendra. Je ramasse même pas les loots. Tiens, il y a ton papa qui m'attend juste au-dessus, là. Hop, oh là là, il y en a plusieurs, même. Oup là, on va pas trop rigoler, là. C'est peut-être pas le moment. Et ils me suivent, en plus. Non, non, mais amusez-vous avec les piglins, là. Ah, mais il me suit, hein. Zut, c'était pas prévu au programme. Il me suit bien, en plus. Ils ont une portée de détection, ceux-là aussi, j'ai l'impression, relativement pénible. Hop, voilà, donne-moi tes steaks, tout ce que tu mérites. Ok, alors là, bah, on a toujours des petits blazes, il me semble, qui m'attendent. J'ai entendu du blaze, là. Non, j'ai rêvé. Ah, j'ai pas dû rêver beaucoup, pourtant, il me semble bien avoir entendu du bruit de blaze. Eh ben, c'est pas grave, on va retourner, on n'a pas que ça à faire. Nous, cette usine nous a pris quand même un temps fou, et c'est quand même bien dommage qu'elle ne soit pas pleinement opérationnelle. Hop, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Faut faire gaffe, hein, parce que ça a pu spawner entre temps. Ok, alors en plus, ah ouais, ce qui va être pénible, alors, je vais peut-être pas mettre des roses de Wither partout parce que ça m'embête d'enlever les dalles. Vous voyez les dalles là sur les côtés que j'ai mis, ça me casse les bonbons pour être poli, de changer ça. Donc on va juste changer là où il n'y a pas de dalles, ça fera déjà pas mal de roses de Wither. Ce sera déjà pas mal. En plus là je perds tous les blocs qui tombent dans le vide. Hop, on sneak évidemment, hein. On va pas prendre de risques. Hop. Alors, ce qui est vache, c'est que ça rend beaucoup moins solide le sol de cette usine qui est quand même grandement dans le vide. Hop. Là, pareil. On sneak. On met pouf, 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 pouf. Pouf. Voilà. Alors, par contre, quand je vais être là-dedans, moi, avec mes bottes qui ont... Zzz, agilité des âmes. Je vais faire des petites têtes bleues et en plus je vais speeder. Donc va falloir faire gaffe à pas glisser dans le vide bêtement. Hop, voilà. Et vous savez quoi, on va mettre aussi les roses au passage, hein. Tant qu'on y est, ce sera fait. Hop, hop, hop. Parce que quand on passe à proximité des roses, on prend le truc dégâts du Wither. Et normalement ça devrait dire aux mobs cassez-vous, et comme ils vont aller vers le centre, ça devrait plus rapidement encore, enfin ça devrait accélérer la vitesse de l'usine du coup. Voilà, c'est le but, hein. Vous l'avez bien compris, c'est le but, c'est que cette usine produise bien plus vite. Ce qui est cool, c'est que la pioche étant pas adaptée pour casser la terre, du coup, je vais pouvoir tranquillement poser mes blocs. Voilà. Je sneak, hein, je prends aucun risque. On va pas prendre de risque du tout. Arrive à ce stade où on a quand même fait énormément de choses dans le Nether. Quasiment tous les progrès sont faits.
Il y a quelques progrès qu'on va pouvoir faire en remontant d'ailleurs, c'est se poser des blocs du Nether partout dans l'Overworld et dans l'End. Donc par contre, bah, il va falloir que je fasse attention à en ramener assez, sinon bah, je serai obligé de revenir. Alors là, je comprends pas mon histoire, moi. Si j'ai un stack de roses, un stack de roses va pas suffire en fait. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire du tout. Bah, j'ai mal compté. Mais oui, mais non, mais je suis bête, ça fait pas 9 par 9. Mais non, ça fait... Au total, ça fait bien plus que ça, puisque du coup, c'est 9 de chaque côté. Donc 9 et 9, 18, 19. 19 fois 19, oh là là, moins 25. Ça fait beaucoup plus de roses du Wither. Bon, bah, il va falloir qu'on tue quelques Wither pour arriver à faire ça. Alors du coup, par contre, ce que je piche pas, c'est que j'en ai moins... J'ai moins de sable des âmes que je n'avais de rose, donc je piche pas là. J'avais bien pris 64 terres des âmes pour 64 roses. Il y a un truc qui me chiffonne là. J'ai dû rater quelque chose ou j'ai dû me rater quelque part. Eh ben on va retourner, c'est pas grave. On va retourner chercher la terre des âmes. On va essayer d'y arriver quand même. Ah, c'est en kikinant ça. C'est en kikinant, ma foi. Il se trimballe toujours avec le petit lingot volé. Hop. On essaye d'esquiver si jamais il y a des bestioles au passage. Avec ce bruit de flotte que fait le mode que j'utilise pour les bruits de pas. C'est pas le bruit le plus agréable qu'il fait. Hop. Hop. T'es gentil, toi, je m'occupais de ton copain, là, pendant ça. J'ai cru entendre un truc me tirer dessus. J'ai rêvé. Hop, allez, on reprend de la terre des âmes. Hop, il faut faire gaffe parce qu'en dessous, c'est quand même... Oh bah dis donc, regardez tous les cochons là-bas. Quand je vous dis qu'on devrait faire une usine dans le coin. Hop, allez, un peu de farming intensif là. Avec la pelle que j'ai en plus, ça va vite, hein. Pouf, pouf, pouf. Oula, par là aussi, il faut faire gaffe. C'est original, ce secteur. C'est original. Alors, essayez de pas laisser des trucs trop moches, quand même. Hein. On est gentleman ou on l'est pas. Voilà, on ramasse, par contre, bah, tout ce qu'on est venu chercher. Hein. C'est pas... On n'est pas venu pour rien, quand même. Ouais, j'ai un stack et demi. Ça devrait déjà être pas mal. Hop. Mais, tant qu'à faire, on va en prendre assez pour faire tout toute la surface. Punaise, je vais encore passer un épisode à faire cette usine. C'est pas possible. Elle m'aura pris un temps, cette usine-là. Hop. Allez, on ramasse aussi le sable des âmes, tant qu'on y est. Hop. Voilà, trois stacks. De toute façon, j'ai plus de place. Hop. Allez, on est reparti. Zoom. Et pendant ce temps-là, ça spawn tout autour. Et il y a des cochons. Ouh, la vache. Je pensais pas que je passais si près de lui. Ouh, je pensais pas passer si près de lui. Et il m'a fait quand même un cœur de dégâts. Hein. J'ai vérifié qu'il n'y en a pas un qui me suit parce que ce serait quand même dommage. Un cœur de dégâts, l'animal. Alors il me reste 54 roses du Wither, mais ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ah, mauvaise préparation, anticipation, mauvais calcul de ma part. 9 par 9, ça fait bien 81. Mais par contre, ben, ça fait pas. 19 fois 19. Alors, ça fait combien 19 fois 19. Hop. Calculatrice. Touc. 19 fois 19. Égale 361. Moins 25. Divisé par 64 pour savoir en stack. Eh ben, il me faut quand même 5 stacks et un quart. 5 stacks un quart de Rose du Wither. Donc on va pouvoir tuer du Wither, quelque chose de bien. C'est dommage, je voulais attendre d'en avoir juste assez pour faire les 30 d'un coup, moi. Mais ben du coup, sinon on va s'en faire avec les copains au moins. En mettant beaucoup, beaucoup, 5 stacks, il faut que je mette 5 stacks de poulet, quoi. Si on peut dire. 5 stacks de poulet dépérir. À périr tout court, d'ailleurs. Hop.
Alors, on bouge tout de suite là, hein, parce que là, on n'a vraiment pas envie de tomber. Hop. Tic. Tac. On passe là. On fait attention au bloc qui a les petites barrières. Lui, on va pas y toucher parce que j'ai la flemme de remettre des barrières après. Ou d'essayer de les attraper là en sniquant juste à côté. Donc on va se contenter de faire un pourtour comme ça. Voilà. On va commencer, continuer à poser nos petites roses gentiment. Hein. Hop, tant qu'on en a assez. Il y aura toujours un coin plein de roses. Waouh, waouh, waouh. Ah bah je l'ai pris du coup, je l'ai mis trop près de moi. J'ai mis trop près de moi. Bah vous voyez ce que ça fait du coup. Ouh, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Alors, on continue ici. Hop. On va se faire toute la terre des âmes qu'on a déjà. Ce sera déjà ça de fait. Oh là là, je me fais des frayeurs quand je vois la lave comme ça qui arrive. Je sais pas si quand vous jouez, vous, ça vous fait cet effet-là. Mais alors moi, dès que hein, j'arrive dans ce genre d'endroit-là, ça me fait tout bizarre parce que j'ai vraiment la frayeur de tomber là du coup. Et de périr à mon tour. De périr de ma belle mort. Hop. Ronk, ronk, dit monsieur, abonnez-vous. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, au moins on aura peut-être fait tout le tour, je sais pas. Si j'en ai assez pour faire tout le tour. C'est pas rassurant du tout, hein, ce grand lac de lave, quand même. Vous en conviendrez que là, c'est pas le truc le plus joyeux. Qui veut prendre un bain? Ce serait l'océan, on serait ravis d'y sauter. Mais ce n'est pas l'océan, on est dans le Nether. Le Nether et le Nether, ça brûle. Ça pique, ça fait mal. Et c'est pas très hospitalier depuis la 1.16. Alors, il m'en reste combien, là? Il m'en reste... Ah, il m'en reste quand même pas mal. Donc on va peut-être refaire un tour. On va essayer de se faire celui-là. Hop. On peut encore tomber là. Hein. Donc attention. On peut grandement tomber. Hop. Youp la boum. Et puis bah, je ferai pas le tour là, parce qu'il y a aussi des barrières, des trappes. Donc l'idée va être de pas les changer non plus. Voilà. Fainéant jusqu'au bout. Hein. Faut assumer sa fainéantise, moi je dis. Hop. Ah, c'est quand même ballot ça. J'étais tout content de mon coup. Moi je me suis dit, ah, oh, c'est bon, j'ai un stack. Plus en discutant avec Elf, on avait l'air d'être assez d'accord sur le fait que j'en avais assez. Mais on a carrément mal compté tous les deux. Ou j'ai mal compris ce qu'il m'a dit, parce que ça m'étonne d'Elf. Elf, il compte vraiment bien, hein. Il est très méticuleux, très précis dans ses informations, très précis dans ses réalisations. C'est un builder, farmer, technicien de luxe, comme la plupart des gentlemen d'ailleurs. Hop. Sur qui on peut toujours compter. C'est vraiment un groupe... que je ne cesserai de remercier. Alors, 40, il m'en reste 40. On va essayer de se refaire... il y a combien dans une rangée, là? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Oh, bah oui, on va pour faire un tour. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. C'est dommage, on y était presque à faire tout le tour. Il va me manquer un rien du tout. Un rien du tout de rien du tout. Mais c'est comme ça. Hop, on finira hors caméra, je pense, là, pour le coup. Faudra que je me garde quand même une rose de Wither pour faire la soupe suspecte à base de rose de Wither. Regardez, plouf, il est parti. Hop, ah, ce que j'aime, ce piège à Pigmen. Hop, voilà, et on va être bien. Hein. Ah, il m'en manque pas beaucoup, quand même. Il m'en manque pas beaucoup pour faire tout le tour. Mais par contre, il manque des roses de Wither, là. Ça, c'est dommage.
C'est dommage, dommage, dommage. Ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On va mettre ça, tiens, à l'entrée. Ouf, comment j'accélère d'un coup, là. Et puis, on va faire autre chose. Parce que, voilà, on va pas s'éterniser dans cette usine pendant 10 ans. En épisode, en tout cas. Je peux très bien faire ça hors caméra. D'aller me mettre à FK et puis attendre. Ou ça peut être les copains, d'ailleurs. Après tout, c'est de l'XP aussi, hein, les Wither Squelettes, quand ils tombent. J'aimerais juste voir si, là, on a un petit peu de chance. Et si on a déjà un peu de monde à tomber le temps que je descende et que je remonte. Hop! Est-ce que... Et... oh, vu l'heure, il va pas falloir que je traîne trop. Non, bah apparemment, il n'y a personne qui est tombé, là. On va attendre 3 secondes. J'entends rien. J'entends rien. On est toujours donc à 8 têtes. Ça pourrait être pas mal du coup d'en sacrifier 3 pour avoir plus de roses de Wither. Ça s'envisage, ça s'envisage. Hop. Alors, du coup, je remonte. On va prendre un peu de matériel. Il y a un truc que j'aimerais tenter. Ça va être shortcut là, par contre. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Et je suis pas sûr de savoir comment faire exactement. C'est juste un vieux souvenir de quelqu'un qui l'a fait en vidéo. Je suis pas sûr de mon coup. Il faut que j'ai ma canne à pêche et il faut que j'ai pas mal d'obsidienne pour faire un grand portail. Alors, du coup, on va récupérer ma shulker là. On va récupérer mon coffre de l'end. Ça, c'est pas à moi. Si, c'est à moi. Si, c'est à moi. Hop, est-ce que j'ai de la place sur moi? Ouh, ça commence à être chaud. On va ranger un peu de bazar, là. Hop. Les boules, je vais les garder, parce que j'en ai besoin, là, pour faire les fameuses boules de feu. Je vais vous remettre les dalles, là, les copains. J'espère que vous les verrez. Là, je peux plus mettre. Je vais ranger tes rails, aussi, mon ami Elf. Je vais balancer le charbon. Ah si, je vais te rendre ton minecart aussi. Hop, voilà. Ça peut toujours servir, ce genre de choses. Voilà, donc on récupère ça. Bon, ça, on va les enlever, hein. Ça sert à rien de les laisser, les anti-spawn, là. On va les mettre ici. Pouf. Voilà, le reste, ça peut rester là en attendant, parce qu'on va revenir travailler, je pense, ici. Donc, puis Elf a besoin aussi d'un peu de matériel. Allez, je vous pique quand même la tête pour la mettre dans le coin des trophées. Là, il doit y en avoir une autre aussi. Une tête... non, je l'ai déjà mis dans une shulker. J'ai dû la mettre dans une shulker, du coup. Ça va être celle-là. Shift. Ouais, voilà, la tête de Hoglin. Bon, bah, on mettra ça dans le... comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Le couloir des trophées, des têtes. Il est 3h49, j'aurai jamais le temps de finir ce que je voulais faire dans cet épisode. Ça m'a pris un peu trop de temps, là, cette histoire de Rose du Wither imprévu. Mince. Mince de mince de mince de mince. C'était pas prévu comme ça. C'était pas du tout prévu comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave, l'imprévu fait partie de l'existence. Ce qui m'embête, c'est d'être coincé à 666 progrès, là, depuis un petit moment. J'aimerais bien en faire un. Juste un. Je sais pas, là, comme... ah bah non, faudrait que je marche, faudrait que j'arrête de courir, en fait. Si je marche sur la glace, là, je vais déjà aller un peu plus vite. Ah mais non, on est pressé, là, on n'a pas que ça à faire. On est pressé. On est pressé. Alors, tiens, si, le progrès pour sauter, hein, je ne sais combien, peut-être que je ne l'ai pas fait, celui où il faut sauter encore 10 000 milliards de fois dans les statistiques. Il faut vraiment qu'on réattaque le datapack Gentleman of Craft, hein, mes copains, copines, là. Il va falloir qu'on s'y mette sérieusement. Je sais pas si j'aurai le temps là pendant mes vacances. Oui, je suis en vacances sans enfant cette semaine et je serai en vacances avec enfant pendant 15 jours ensuite. Donc peut-être un petit ralentissement dans les vidéos. Je sais pas encore. Je vais peut-être m'autoriser quand même de sauter peut-être un petit peu. Quelques épisodes, on va voir. Donc sinon, je les ferai en avance. Voilà, on va voir. L'IRL first, comme on dit chez nous, gentlemen. Alors, mon idée, il est 5h34. Oh, punaise, il y en a un qui est venu farmer du gast, là, visiblement. Et qui s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir, le monsieur. Waouh! Ah ouais, il nous a fait un truc, là, de... Ça rigole pas. Attention. Ça ne rigole plus, ici. Waouh!
Oh, Elf, tu t'es lâché là. Alors, quelle est l'idée? Ici, tu as une première zone, d'accord. Ici, tu as une deuxième zone, ok. Ok. Alors, comment je vais exploiter ce que tu as fait, du coup? Comment je vais exploiter ce que tu as fait, qui n'est pas fini, puisqu'ici, apparemment, tu es en cours. Et tu fais des murs, en fait, entre chaque zone, d'accord. Oups là, il y a un squelette. Demi-tour. J'ai autre chose à faire, excusez-moi. Je ne faisais que passer. Alors, je sais pas exactement si tu as prévu cet endroit pour ce que moi je voudrais faire. Vu que tu mets des torches, des lanternes au plafond, c'est pour qui, pourquoi? Ah, j'aurais dû discuter avec toi avant. Et bah, vu que l'épisode est terminé, ce sera peut-être pour demain. Et ben bah, voilà, j'ai compris. En tout cas, ça n'empêche pas le spawn des ghasts. Ça, c'est cool. On va laisser le faire hein, quand même, celui-là. Et donc l'idée pour demain, eh bien, ça va être d'utiliser cet endroit. Je sais pas si c'est comme ça que l'envisageait notre ami. Oups, hop, notre ami elfe. Mais je vais mettre un portail du Nether là-dedans. Et mon idée, bah, c'est de faire passer le ghast à travers pour aller le tuer dans l'Overworld, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, il faudra que je vérifie où arrive le portail, parce que comme on est près d'autres portails. Faudrait pas qu'on se retrouve dans une zone un petit peu dangereuse. Alors du coup, il a dû farmer comme un malade. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah côté poudre à canon, c'est pas mal du tout, c'est rentable cette histoire. C'est très très rentable, ma foi. Et les larmes de ghast, maintenant, on n'en manque plus. Hein. Ok, bon bah nickel. Bon bah super taf elf, hein. Bravo, bravo, bravo. Et bah c'est devant ce mur des ghast que je vais vous dire à demain. Si vous le voulez bien, évidemment, portez-vous bien. Ciao, ciao.